Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sur quoi on va se pencher, ça va être sur l'orthographe du mot tout. Et d'abord et avant tout, ce sur quoi on va se pencher, ça va être notre objectif du cours, qui est de distinguer les classes du mot tout. Ce qu'il faut d'abord savoir, pour être capable de correctement identifier ces classes-là, il faut se souvenir que pour une classe de mots, la meilleure manière pour identifier la classe du mot, c'est toujours en faisant une manipulation d'un remplacement, tenter de changer le mot par un autre mot d'une même classe que l'on connaît. On va commencer par le tout déterminant, qui peut s'employer de différentes façons. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le tout déterminant, on peut le remplacer donc par un déterminant. Cependant, le but ici, ce n'est pas de trouver un déterminant qui a parfaitement le même sens. Dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on souhaite. Mais surtout, on souhaite mettre un déterminant qui va faire en sorte que la phrase demeure grammaticale, qu'elle puisse se dire sans que ça accroche. Les exemples de déterminants qui sont possibles d'employer, il y a chaque, beaucoup de, qui peut nous sauver la vie dans plusieurs situations, et chacun ou chacune de. On peut voir avec les exemples ici à quel point c'est utile de remplacer par un mot d'une même classe. Premier exemple, il lui téléphone à toute heure du jour ou de la nuit peut devenir il lui téléphone à chaque heure du jour et de la nuit. Ça fonctionne très bien. Pareillement, les admirateurs arrivaient de tous côtés. On pourrait employer arrivaient de beaucoup de côtés. Ça fonctionne aussi très bien. Alors que ici, c'est dommage de devoir jeter toutes ces fleurs. Si on utilisait, c'est dommage de devoir utiliser chaque ces fleurs, ça ne fonctionne pas. Alors que si on dit, c'est dommage de devoir jeter beaucoup de ces fleurs, ça fonctionne très bien. On voit bien ici la raison d'employer des déterminants qui sont variés pour rendre la phrase grammaticale. Et finalement, elle va lui rendre visite tous les dimanches. Ici, c'est un peu plus problématique. La raison en est bien simple. C'est parce qu'il y a un déterminant déjà avant, après le tout. On doit donc employer peut-être quelque chose comme chacun de ou chacun des dimanches. Nécessairement, puisque le déterminant est une classe de mots variable, le tout peut s'écrire de différentes manières. Deuxième classe de mots sur laquelle on se penche aujourd'hui, on distingue les classes du mot tout. Il y a le tout adjectif qui est remplaçable par un autre adjectif. Commencez à comprendre comment ça fonctionne. Et qui, cependant, va devoir être déplacé dans le groupe nominal. On observe ici les adjectifs qu'il est possible d'employer, entier ou entière, unique, véritable. Premier exemple, j'ai passé toute une journée à chercher la réponse. On pourrait, à ce moment-là, enlever le tout et rajouter un entière après le groupe nominal. J'ai passé une journée entière à chercher la réponse. Ça fonctionne très bien. Deuxième exemple, pour toute réponse, il a souri. Pour réponse unique, ça fonctionne. Et son voyage au Rwanda fut toute une aventure, fut une véritable aventure. Nécessairement, puisqu'il s'agit d'un adjectif qualificatif, tout comme le déterminant, il est variable. Celui qui nous cause le plus problème, c'est le tout pronom. Sauf exception, il est difficile de remplacer un pronom par un autre pronom. C'est plus difficile qu'avec le déterminant ou l'adjectif. La meilleure manière, et c'est celle qu'on a déjà apprise par le passé, c'est d'observer la transitivité de la phrase. Est-ce qu'il y a un nombre adéquat de participants ou manque-t-il un élément? Je vous donne un exemple. Il avait tellement faim qu'il a tout mangé. Si X mange Y, donc quelqu'un mange quelque chose, on observe la phrase il a tout mangé, il nous manque un complément direct et c'est le tout qui joue le rôle de complément direct. Il va jouer le rôle de pronom. Deuxième exemple. Marie m'a tout expliqué et j'ai tout compris. Marie m'a expliqué quelque chose, c'est tout. Et j'ai tout compris, j'ai compris quelque chose. Et dernier exemple. Tous seront reclassés. Quelqu'un est reclassé. Tous ici jouent le rôle de sujet. Vous vous doutez bien que ça n'était pas si simple que ça. On va donc arriver au tout adverbe. Le tout adverbe est remplaçable par un autre adverbe. Ça, il n'y a pas de problème, tout comme le déterminant ainsi que l'adjectif. Par tout à fait, complètement, entièrement. Je vous donne des exemples.
Thomas et Daniel étaient tout contents de la venue de leur amie Claudine. On pourrait dire, Thomas et Daniel étaient tout à fait contents. Francine est tout intriguée par la réaction de son mari. Elle est complètement intriguée. Elle était entièrement heureuse d'apprendre la nouvelle. Vous voyez, la tendance, elle est parfaite. Là où ça se corse, et c'est là où justement je veux apporter votre attention, c'est lorsque le tout adverbe est suivi d'un adjectif ou d'un participe passé féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, l'adverbe tout va s'accorder en genre et en nombre avec ce mot pour des raisons d'écoute. Voici un exemple. Sophie était toute surprise d'être acceptée dans ce programme. Puisque surprise débute par une consonne, on va accorder le tout, même s'il est un adverbe et que normalement il demeure invariable, on va ajouter un E à tout, puisque surprise est féminin. Même chose ici. Elle préfère organiser le mariage toute seule. Toute, ici, est suivie d'un adjectif qui débute par un S, une autre consonne à nouveau. La bête s'est arrêtée toute haletante. Haletante, c'est un H aspiré. Le E va être nécessaire à la fin du tout. Pour savoir si un H est aspiré, tentez de faire une liaison avec un adverbe qui se termine par S. Pourquoi pas employer l'adverbe très? Est-ce qu'il y a possibilité de dire très heureuse? Oui, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une possibilité de dire très haletante? Non. Très honteuse? Non plus. Mais très enjouée? Parfaitement. Et on se revoit bientôt. Bonne journée.